Ok, impact. Vers le moteur. Je réagis. Je monte pas, parce que c'est dangereux. J'arrondis. Et je glisse. À peu près, dans ouais. L'herbe. C'est bon. C'est acceptable. Hop. Donc deux cas de figure. Premier cas de figure, on n'a pas le droit de monter. Deuxième cas de figure, on a le droit de monter. Je fais lequel en premier? Bah là du coup je suis pas monté. Ok bah pareil pour moi. Donc d'abord en plaine, bon c'est illusoire par contre d'espérer le faire en ville ça. Sans monter ouais, c'est bon. Après en ville c'est plus chaud pour te remettre une rafale derrière. Peut-être. T'as vu que je vais pas prendre la grande plaine dégagée qui est devant là, ce serait trop simple. Hop, voyons voir, attends je vais directement faire comme ça, un terrain qui soit dégueulasse. Voilà, cette zone là sera parfaite. Là, par ici. Allez, je me prépare à couper les moteurs. Attention à la connerie là, ok, je change celui-là. Allez, impact. Perte moteur, je réagis. Ah non, c'est vrai que j'ai pas le droit de m'engrer, je suis con. Hop. Hop là, on franchit cela. On est posé. Joli, juste sous les lignes électriques, comme ça tu peux pas repartir. On est posé, j'ai pété la roulette donnée à l'atterrissage, mais ça va. Tout coupé, passage extincteur manuel. Hop là, c'est bon. Allez. Allez, tu commences? Ouais. Attends, je vais me mettre en vue de sur toi. T'en arrives là-bas, je maxe juste. Je suis prêt quand tu veux. Vas-y. Ouais, impact. Perte moteur. Je réagis. J'arrondis. Terre en montée. Encore un petit peu trop brutal au flair, t'as menti avec la queue, mais enfin remarque, je crois que c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Hein. Pas tellement d'autres solutions, mais c'était bien. J'ai un peu abîmé fenêtre, effectivement. On n'a pas le droit de choisir le terrain. Je suis foutu dans cette direction, je reste dans cette direction. Enfin, faut quand même qu'il n'y ait pas de forêt parce que sinon ça va être mission impossible. Bon, c'est l'arbre. Hop là. Mais pour le coup, c'est comme si c'était des bâtiments ici. Impact. Je réagis. Casse. On casse une dernière fois, on pose. C'est mieux, aïe. C'est bon. Pff, c'était juste, hein. Freine, arrêtez. Pas de dommage. J'ai encore mon train. Ok, on est ok. Watch écran, je sais. Allez. On passe à l'étape suivante. Ok, donc toujours pareil, on arrive pleine vitesse, on grimpe, l'idée c'est d'arriver à réduire la vitesse un petit peu, et surtout prendre de l'altitude, et ne pas trop casser sa vitesse surtout, sinon ça va être la merde, et je vais me vautrer comme une bouse. D'autant que je ne fais pas d'autorotation face au vent, je n'ai pas le temps, et ni le terrain. Allez, impact, perte moteur, je réagis. Hop là. Train sorti. Voilà, hop, on gère. On pose. Posé. Alors toujours un truc très important en tout terrain pour les pilotes de camoff. Vous faites votre rotation donc si vous avez de la vitesse, comme c'était le cas ici. Pas trop le choix. J'ai pas eu le temps de bien préparer. On faudrait beaucoup plus d'études pour arriver à faire un posé sans vitesse. Tirer le manche en arrière.
et ne freinez que vers la fin. Si vous tirez le manche vers l'arrière, vous allez relâcher les efforts sur la roulette donnée, sinon elle va casser. Hop là. Donc, nouvelle manœuvre. On est à moyenne altitude, on se prend un plomb, il faut arriver à se planquer rapidement, ensuite enchaîner sur l'autorotation. Allez. Impact. Hop, on descend. On garde des RPM, mais pas trop, on s'en fout. Tac. On sort le train. Voilà. On se met le plus bas possible. Pas encore, pas encore, voilà. Tac. Bon, maintenant il faut arriver à le faire sur autre chose qu'un terrain si long, donc du coup, raccourcir. Allez, on est parti. Impact. On plonge. On peut pas y aller trop brutalement, sinon on va briser les pales. Train sorti. Je vais me poser derrière ça. On regrimpe. On pose là. Il fallait amortir avec la queue. Et pas le choix. On est posé. Ouais, ça c'est de l'autoroute. Alors, un truc important en autorotation, il faut pas hésiter, surtout avec le camoff dont on se fout complètement, à planter la queue. Vous avez vu que ça m'a arrêté net. C'était soit ça, soit les arbres. Autant vous dire que la gouverne ne valait pas le coup. Tech. Allez. Alors, hop, donc nouvel exercice. On est à 250 km/h, radada, au-dessus d'une ville. On a une perte moteur, on doit se poser. Allez. Exercice complètement con. Impact, perte moteur, je réagis, je grimpe. Hop, vite. Train sorti. J'ai nulle part où me poser. Si, le carrefour, c'est ma seule chance. S'il te plaît. Aïe. Je sais pas trop ce que ça donnait là. Bah, franchement, c'est pas mal hein. Ouais, faut pas regarder derrière quoi. Ouais. C'est normal de le péter, je veux dire. Ah ouais, non, là c'est. Ouais, y'a la queue qui a tapé un camion de merde en fait. Il a ruiné le camion d'ailleurs. Ouais, mais c'est bon, c'est architecture modulaire, ça serait pas grave. Ouais, c'est bon. Bon, faudra aussi amener un jeu de pales. À 120, je suis pas mal. Ah, où est-ce que tu es? Hop, là, je suis en train de m'approcher. Allez, pas de moteur. Hop, voilà. Train sorti. Où est-ce que je peux me poser? Là, la traction, là. Hop là. Bon, j'ai fini dans un mur, mais ça va, je suis encore en vie. Ouais, donc ok, une seconde de temps de réaction à l'impact. On est quand même des malades. Hein. Ouais, mais comme dit. Ça arrive souvent, hein. Ben ouais, ça nous arrive en fait systématiquement si jamais on se prend un pain quoi. J'espère qu'au vrai pilote ça leur arrive pas trop parce que c'est vraiment pas une situation confortable. Ah non, pression. 1. Allez, perte moteur, je grimpe. Voilà, c'est pas bon. Là c'est pas bon. Non, là c'est pas bon du tout. Ah pff. Putain, c'est vraiment chaud. Ça, je suis encore en vie, mais putain, je sais pas ce que ça donnera en vrai quoi. Là, tu t'éjectes maintenant. Ouais. Bon, alors de manière assez simple, là donc on va partir de moyenne altitude. L'un des trucs très durs à faire, c'est d'arriver à casser sa vitesse. Parce que dans une ville, en fait, on va devoir faire une approche quasiment verticale. Et il faut arriver à 50 km/h, pas 200. Donc là, bon, j'ai à 140 km/h. J'ai pas spécifié spécialement d'ailleurs.
Allez, on coupe les motos. Tac. Voilà, allez, d'abord casser la vitesse. Voilà, ensuite trouver un terrain. J'en ai pas spécialement. J'en ai un là aussi. Pas si vite, pas si vite. Gentil. Watch a grand. C'est pas passé. Voilà, j'ai glissé sur le toit. Hop oui, là, allez, on va refaire une. Coupure moteur. Je réagis. Je cherche un terrain. Bonne chance. Ils sont tous pourris. Mais c'est les agglomérations françaises, ça, c'est un vrai bordel. T'es enthousiaste, Tom. Bon, en soi, il a plus de vertèbres, mais il est posé. Bah, de toute façon, faut pas espérer avoir de tellement meilleurs résultats dans une ville pareille. Non. Clairement tu pas. Tu peux pas le glisser proprement ou avoir un petit peu de. Hop. Un petit peu d'angle de manœuvre. Mais... Allez, posez. Posez. Sauf pas encore. Hop là, bon, alors trouve un terrain. Plutôt que de rêvasser comme ça. Ah, bah parfait, droit devant. Droit devant. Droit devant. Alors ça ressemble à quoi? Ok, il y a un putain d'arbre. Casse. Vite, 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 vite. Allez, allez, allez. Ouf, posé. Oh, c'était check dégueulasse, mais. C'est la seule solution pour aller à se poser là-dedans. Pas que c'est une dehors, pas ah, c'est pas beau, non. Ah, c'est un viol, là. Putain. Mais. Coupure. Allez, coupe. Petit pas. Oh, bah, tiens. Ah là, allez, parfait. Oh, c'était presque trop facile, j'ai presque envie de te demander de le refaire. Ah, j'ai rien dit. Bon, alors, il va falloir par contre revoir un petit peu le... La procédure d'arrondi, monsieur. Un truc qui colle par terre. Allez, hop, je coupe les moteurs. Allez, train sorti. Hop. Deuxième étape, voir, trouver un endroit et vite. Je n'ai pas d'endroit où me poser. Ah, si j'en ai un, peut-être. Watch a grand. Mais quel frimeur. Watch a grand. Ouais, enfin bon. Watch a grand. Le train a quand même bien amorti, hein. Ouais. Il ouais, y a pas beaucoup de place en même temps. Ouais, je... Tu roules là. Tu... Ouais, j'étais, c'était soit le stationnaire, soit la mort. Hein. Bon. Bah, si ça peut susciter des idées d'entraînement pour certains, après tout, pourquoi pas. Et hop là, donc 500 mètres sol, c'est bon. C'est bon. Ok, donc tu fais comme prévu. Coupe les moteurs, looping, posé dans la cathédrale. Looping. Au 131, nous savons entraîner nos pilotes. Oui, oui, ça se présente plutôt bien. Ça se présente même très bien pour l'instant. Alors le problème cas, c'est que tu vas t'écraser la gueule à un moment donné, ça va être prodigieux. Pour l'instant ça va bien, pour l'instant ça va bien, continue, avance un petit peu, avance un petit peu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. J'ai pas assez de vitesse verticale. Avance, 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 avance un petit peu, avance un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Voilà, 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 oui, oui, oui. Oh putain, intact, ou presque. Oh l'enculé. Bravo.
Bravo, je la mettrai en ligne quoi qu'il arrive du coup. Alors attends, est-ce que du coup il est possible de redémarrer la machine et de ressortir? Non, t'as le fenestron qui est cassé. T'as amorti avec le fenestron. La turbine n'est pas endommagée. Allez, on est paré. Hop. On est bon là niveau. Ouais, ça va à peu près. On grimpe un petit peu à 500. On va se débarrasser de ce qui pèse. On risque d'en avoir besoin. Allez, 1 et 2. Watch a gran. Habitant de Caen, j'arrive. Bon, ton train est sorti, t'inquiète pas. Ouais, je décale un petit peu pour prendre visuel. Hop là, on va ralentir l'appareil tout court. J'arrive pas à dire. Ça a l'air bon. Watch a gran. Ça a l'air bon. Avance un petit peu. Ah, t'es dedans. Posé. Wesh. Check all parameters. Les pales sont intactes. Bon, par contre, avec le mur juste à côté, je sais pas si je pourrais redémarrer. Attends, on va voir. Oh non, oh non, oh non!